Les amis, bonjour et bienvenue sur un projet de type top secret. J'ai été approché par un organisme top secret. Celle-ci m'a confié une mission à moi et à d'autres youtubeurs. Vous retracez une histoire. Est-ce que je pète pas la crédibilité là? Avec les effets et tout, franchement ça passe sans effet, ok, mais avec les effets ça passe. Bref, bon. Les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En effet, Final Fantasy XIV, un MMORPG assez énorme, avec un univers bien manga, bien japonais, m'a approché, moi et plusieurs autres youtubeurs. On a Dooms, Atomium, Dark Funeral et plein d'autres. On a tous un objectif à travers nos chaînes et à travers la chaîne de l'Alliance 14, qui est une chaîne dédiée à Final Fantasy XIV. Tout dans la description. Eh bien, on va vous retracer une histoire. Je suis un grand fan de MMO, mais un MMO avec cette ambiance-là, ça a été une première pour moi. Et je dois dire que franchement, je me suis bien débrouillé, on va pas se mentir. J'ai eu un sensei de qualité. Et un jour, comme on dit, l'élève dépasse le maître. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos des autres youtubeurs, n'hésitez pas à aller les voir, vous comprendrez mieux l'histoire. Bref, j'espère que ça vous plaira. On est parti pour découvrir le donjon et l'histoire du gardien du lac. C'est parti. L'observatoire Ishgardé a enregistré le rugissement d'un dragon. La première hypothèse proposée par les héritiers de la 7ème aube vous conduise droit vers l'Agrius, ancien vaisseau garlé maldais mis en déroute par Midgar Sombre, le père de tous les dragons. Waouh, mais que c'est beau! Eh bien les amis, c'est bon, on y est sur Final Fantasy XIV. Alors cette vidéo, elle fait suite à plein de vidéos qui ont été postées sur les chaînes de plusieurs copains youtubeurs, mais également de la chaîne Alliance 14, qui est une chaîne qui est réservée du coup à Final Fantasy XIV. Tout est dans la description si jamais vous voulez checker tout ça. Et du coup, je vous ai parlé de copains youtubeurs. Eh bien, j'en ai trois avec moi aujourd'hui, puisque j'ai l'incroyable Dooms qui est juste ici. Waouh, magnifique! Le beau et le sensei Dark Funeral. Oh, j'ai tiré de ma carte piège. Et enfin, le petit mais puissant Sénor. Mais oui, monsieur. Oh, cette pose magistrale. Oh, c'est beau. Aujourd'hui, on va se faire un petit donjon tous les quatre. Le donjon du gardien du lac. Le magnifique gardien du lac. Alors, je rappelle, les amis, que c'est mes premiers pas, entre guillemets, mes premiers pas sur Final Fantasy. Même si, bon, je me suis bien entraîné avant. Fufu, il m'a bien expliqué tout ce qu'il fallait. Yeah. Donc, ça va, je suis bien OP. Oh, il est beau, il est fort. Et du coup, j'ai bien tout appris. Alors, on a chacun un petit rôle. Moi, mon rôle, c'est un rôle de tank. En gros, le tank, il va prendre tous les dégâts de tous les ennemis. Comme ça, tous les ennemis vont se concentrer sur moi et les autres vont pouvoir les taper. Fufu, ton rôle, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis soigneur, je veille à ce que tout le monde reste en vie. Oh, il est tellement généreux, c'est incroyable. Ouais. Ensuite, Sénor, ton rôle. Moi, je sors mes muscles et je tape dedans, je suis samouraï. Oh, et attention, Dooms. Moi, je me bats, moi, je tape. Pourtant, t'es le cerveau, Dooms. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, je vous propose qu'on aille taper des méchants. Ouais, vous êtes prêts ou pas? Taper, cerveau, taper. Ok, let's go. On y va et on va taper les méchants crabes, ok? Bon, alors du coup, vous l'avez compris, mais mon rôle, c'est d'être celui qui se fait taper. En fait, je suis un punching ball, en fait. Je suis clairement punching ball. Moi j'adore le surimi. Du coup, bah super, et bah tu sais quoi, on va en faire du surimi. Allez, on te suit le tank. Ouais, l'espèce de draco là. Allez, viens tank. Arrête de tirer des cartes toi. Ok, je continue. Moi j'ai... Oh, c'est dégueulasse, mais il y a du monde là. Voilà. Je prends tout, t'inquiète, moi je me fais plaisir, ok? Il en manque juste deux, qui sont encore verts. Où est-ce qu'ils sont? Près de moi, mais vous êtes tous les gars. Là, il est là, à côté de moi. Ok, c'est bon, c'est bon, j'ai tout le monde. Ok, tout est rouge, j'ai tout le monde. Aïe. Quand il y a une espèce de zone jaune, les amis, c'est que justement, ils vont taper là. Du coup, il faut partir de la zone jaune très rapidement, ok? Aïe, ce que je fais pas. Non! Le décès! Bah ouais, mais je peux pas aider tout le monde, y'a tout le monde qui se prend tout et n'importe quoi! Ah, le gars, je le savais. Allez, let's go! Bon. Ah, mais j'ai pas mis mes instances! Mais voilà! Mais c'est pour ça! Oh là là! Ah, bah c'est pour ça! Bah oui! C'est mes instances! En gros, ça me permet de mieux faire mon taf, en fait. Une instance, c'est genre ce qu'on est en train de faire, une instance. Bon, du coup, c'est mes stances, du coup, ok. Et en fait, ça me permet de bien faire mon taf. Et si je les avais pas, c'est pour ça que je me suis fait défoncer, en fait, tout simplement. Ça te permet de prendre beaucoup moins de dégâts. Oh là là! Mec, il ne s'arrête plus! En vrai, c'est quand je mets mes deux sorts, c'est quand même vachement plus sympa! Ah, bah là, c'est vachement plus sympa. Par contre, évite aussi les AO, ça me m'arrangerait. Il faut pas que tu bouges, sinon tu peux pas faire tes sorts. Oh là là, elle fait mal son travail. Mais attends, c'est surtout que c'est pas mon rôle. Moi j'étais tank là. Tout ça parce que tu voulais la vedette. C'est pas vrai. C'est quoi cette horreur là? C'est facile à dire. C'est un peu genre. Oh. J'avoue qu'il est dégueulasse, mec. C'est Sora quand il s'est pas coiffé. Ah, mais c'est méchant. C'est méchant. On dirait, mais en vrai c'est dégueulasse. On dirait un espèce de... Oh merde, pardon. Je sais pas, un espèce de tétarte, mais genre qu'a le cancer quoi. C'était ton rôle.
Ah, c'est toi qui l'as attaqué, ouais, hein. Excuse-moi, j'ai. C'est mes petits réflexes d'ancien temps. Je veux que du coup, on l'a pas dit, mais évidemment, Dark Funeral, lui, il joue depuis très longtemps à Final Fantasy XIV. Du coup, lui, c'est un peu un pro player, quoi. Depuis c'est un peu un pro. Semi-pro, non. Semi-pro. Allez, semi-pro. Du coup, là, on est contre un boss. Un boss qui ne ressemble strictement à ouais, rien. En fait, c'est un mélange entre un aigle, un bouc. Un bouc, ouais. Désolé de te mettre la pression, mais ma carte est tombée dans 10 secondes, faut que t'attaques. Ok, d'accord. On y va. Voilà, comme ça le samouraï, je lui mets 10% de dégâts en plus. Ok, très bien. Très bien. Le mec me met la pression. Est-ce qu'il y a une... on attaque comme des bourrins, mais il y a une strat ou pas? C'est un boss, hein. T'attaques comme un bourrin, t'esquives les AOE et tout va bien. L'a dit. Bien haut. J'ai cru qu'il était déjà mort, je me suis dit, putain, t'es vachement rapide. Attends, est-ce qu'il faut des trucs. Ah, des potes à lui. Ils m'ont lâché du Ceruloum, l'espèce de petite bombotte qui est tombée là. Ceruloum de Taloum. Fais gaffe, y'a un radar derrière toi. Y'a un réservoir? Comment ça y'a un réservoir? Faut clairement l'envoyer dessus en arrière. Cassez-vous! Éloignez-vous! Ah! Quoi? Aïe! Bah, du coup, essayez de lui envoyer dessus, hein. Regarde, tu vois, comment tu l'as envoyé? Aïe! Reste pas là! Oh là là, non! Mec, c'est le 14 juillet, gros. Quand il s'énerve, c'est incroyable. Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est, les garçons? Qu'est-ce qui se passe? C'est un dragon encore. Tant que c'est pas une araignée. Parce que j'ai dû me faire un donjon avec des putains d'araignées. Ça m'a dégoûté, c'était horrible. Non, ça va, c'est des araignées. Je pensais pas que t'étais aussi arachnophobe, hein. Non, je t'assure que c'est vraiment horrible, hein. Traduction, mais attends, mes abonnés le savent. Mes abonnés le savent. Ah non, c'est complètement faux. Mes abonnés le savent, ok. Je suis sans peur et sans reproche. Moi, j'ai entendu comme ça. Non, je n'ai peur clairement. Mes abonnés le savent, j'ai peur de rien. Attends, t'as un mec qui te suit là. Ouais, t'as vu. Parce que j'ai pris l'aggro, moi. Regarde. Ok, là il est pas content. Oh. Attends, il est pas content. Ah, t'es où le tank? Tu m'as attrapé. Cherche. Ok, on a réussi, yes. Ah. Oh, il est pas content du tout. Non, il est un peu vénère. Oh, on est d'accord qu'il est même très vénère. Il est pas content du tout. On va bien choper un tronc là. Ah, j'ai chopé une tour, je te le donne, ça sert à rien. Mais... Ah oui, d'accord, ok. Donc les mages utilisent de la magie, donc des points de mana. Des points de mana. Et les gens comme moi qui tapent à l'épée utilisent des points techniques alors. Exact. Mais pourquoi tu t'assois pour la clé, non? Bah non, je vous laisse, c'est votre aventure. Moi, je vous regarde. On nous regarde. Non, parce que je me rappelle dans Sastasha, elle est où la clé? Elle est où la clé? On est assis à droite devant la clé. Drôle, hein. Ah oui, alors il y a un truc à savoir sur ce boss très très important. Très bien. J'ai utilisé une technologie incroyable qui s'appelle le marquage au sol. C'est donc le boss. Ici. Waouh! Un marquage au sol! Et imaginons, je vais prendre Dooms parce que à tous les coups, c'est elle qui va nous faire ce coup-là. Non, mec, 100% c'est pour moi. 100% non, avec le karma que j'ai fait. 100% c'est pour moi. Le pas sur toi. Ah, ça me fait plaisir! C'est cool! Imaginons, Dooms est là et tape à distance, elle dit voilà, j'ai ma magie. Et ben en fait, le boss qui est sur A va foncer sur elle en B et en fait, sur le passage, donc, et là, il va poser des énormes zones AOE. Donc il va poser des énormes zones qui restent très longtemps. Ce qui fait qu'imaginons, moi je suis ici et que bah toi... Ça commence à faire beaucoup de marquage au sol. Oui, et que toi par exemple t'es là-bas, et ben moi je pourrais pas traverser ça pour... Ça se transforme en twister. Ah d'accord, en fait ça va, en gros il va diviser la map pour pouvoir pas se rejoindre en fait. Ok, très bien. Donc voilà, vous avez compris. Est-ce qu'on y est? Let's go. Mais putain. C'est parti. Ah, c'est trop tard. Ok. Là tu dégages. Waouh. Là tu dégages. Voilà. Et il va vraiment, il le fait combien de fois? Il le fait tout le temps? Ah, des fois il va le faire deux fois de suite. Ah, super, c'est cool. Vous évitez les AOE, vous évitez cette mécanique et une fois que. Oh non, il y a des. Vas-y, aggro là. Dooms. Non. Elle est au milieu. Dooms, fais pas ça. Ah non. C'est bon. Elle a tout cassé. C'est bon. Oh, elle bouge, mais dans le feu. J'ai fait une jolie ligne quand même. C'est à dire que en gros, s'il y a une roue qui te fonce dessus, tu vas tout droit. Tu vas pas sur le tech. Ça va, regarde. J'ai la cible, les amis. Oh, on est tellement. Mais il y a toute la map. Il y a toute la map, c'est incroyable, il y a du feu partout. Oh putain, c'est n'importe quoi. Mais mec, mais il continue, c'est incroyable. Encore. J'ai la cible. Mais moi je fais tout en même temps. Il est mort, on tue. Elle est mort. On a gagné. Ouais, bravo. Je me confesse, j'aime l'ASMR. Oh, honte à toi. Enfant de parjure. Calmez-vous, sœur Douce, car comme le seigneur de la. C'est un paria. Alors du coup, attention, Sensei Dark Funeral, est-ce qu'il y a une stratégie à adopter? Il y a une stratégie, mais j'ai un peu zappé, donc ce sera sur le temps. Merci beaucoup, super. En gros, quand les deux dragons vont se réveiller, il faudra vraiment les taper très très vite. Non mais on verra. C'est parti. Oh, il a disparu. Pourquoi il disparaît? Restez pas au milieu. Ok, alors c'est l'orange, super. J'avais dit qu'on commençait par le bleu, super, c'est l'orange.
Aïe 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 aïe, il fait mal. Il y a des AE partout. De ouf, c'est insupportable quoi. Tu tapes le dragon, puis t'as l'autre dragon qui te tape dessus. Mais lâche-moi. Bah attends, mais. Ah le bleu. Il faut aller où? Faut taper Astrea. Mais c'est qui Astrea déjà? Mais c'est l'oiseau. C'est la statue. Bon, on est mort. Ah, c'est l'oiseau. Superbe. Le mec, il est impossible à faire. Ah, l'oiseau. Ok, il est là. On focus, on focus, on focus. Ok, on focus. Ah non, on dirait le boss de tout à l'heure, c'est incroyable. Activez pas tout de suite, hein. Activez pas tout de suite. Ok, 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 on attend, on attend. Là, on active. Ok, on l'active, activez-le, activez-le. Active un truc, milieu. Active, il y a interruption. Dans le rond. Ok, c'est bon, je suis dans le rond, je suis dans le rond. Ah, là, ouais, je vais pas la faire. Wouh. Ok, super. C'est Bobby, tu vois, il y avait Jessica. Oh, je suis encore morte. Ouais, Bobby, il est vénère, Bobby, il est pas content. Mais c'est quoi cette équipe? Franchement, j'ai un truc. Oh, il y a l'oiseau. Mais c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qu'on m'a donné comme équipe? Oh, là, au milieu. Activez-le. Vite. Ok, c'est bon. Tapez Bobby. Bobby. Bobby, tu es destiné à crever, ok? Donc allez, meurs. Bobby, tu meurs. Aïe, oui. Bobby est mort. C'est que Bobby est mort. Et tu vois là, la transcendance aurait été utile pour le one shot. Ah, tu lui enlèves de la vie, ok. Tu vas mourir. Ah. Tadam. Ouais. Bravo. Eh, j'y croyais plus. Lola. Il est mort. J'espère qu'Azu il nous entend pas parce que putain le pauvre. Oh le pauvre, j'avoue. Mais bien sûr, si il nous entend, j'avoue. J'avais oublié qu'il était là. Il t'azère, mais c'est des malades. Eh bien écoutez les amis, c'est là-dessus que cette vidéo va s'arrêter. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas qu'il y a des vidéos, mais vraiment à l'appel de partout, qui retracent toute l'histoire de la première extension de Final Fantasy XIV. Là, c'est l'avant-dernière vidéo du coup de cette histoire. La dernière est sur l'Alliance 14 encore une fois. Et c'est encore moi. C'est moi qui clôture toute cette aventure. Du coup, n'hésitez pas à aller sur l'Alliance 14 encore une fois dans la description. Mettez le petit pouce bleu les amis, je compte sur vous. Merci beaucoup à Dooms, à Fufu et à Senor de m'avoir accompagné pour ce petit donjon qui était quand même vachement drôle. Hein, très très simple et tout. C'était sympa. Simple, c'était facile, vraiment facile. Ouais, il était facile. Bref, les amis, abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, Dooms, Senor et Fufu. A très très vite. Ciao, ciao. Salut. Salut. À plus. Right now,